Parfois, c'est pas facile du tout de démarrer un stream parce que arrive ce jour où c'est l'enregistrement du stream avec un D et un U majuscule. Et c'est un jour qu'on redoute parce que faut que je vous explique en fait le backstage autour de cet enregistrement. C'est j'ai très mal dormi. J'ai essayé ce jeu hier soir. Et c'est un jeu qui est plein de mérite, qui est plein de talents, qui est plein de choses merveilleuses, qui en mettent plein la vue. Et c'est un mauvais jeu. Oui, j'ai passé toute la nuit à réfléchir, savoir si c'était vraiment un mauvais jeu, ou un bon jeu, ou un jeu pas loin d'eux, quoi. Et je vous garantis que j'ai retourné le problème dans tous les sens. J'ai des cernes de 10 km de long et la conclusion c'est que c'est un mauvais jeu. Mais de quel jeu parle-t-il depuis tout à l'heure, nom de Dieu? Je parle de Sukyu Gurentai. Alors ça vous dira probablement rien puisque c'est un shooter qui est sorti dans les mid-90s, on va dire, en 96. Et qui n'avait pas... qui n'est pas issu d'une boîte super connue. Mais on va regarder sa gueule. D'ailleurs, j'ai oublié de paramétrer la capture. Est-ce que ça va marcher du premier coup, vu que c'est censé être le stream que j'ai arrêté hier soir avant de me coucher? Du moins, essayer de dormir en faisant plein de cauchemars. Suspense. Je vous fais voir ce fly. Ça vous dira rien, mais... Enfin, bon, on y va, on y va, on y va. Je garde la musique pour le début, parce que ça va me décontracter. Je suis contrarié. Vraiment. Très. Beaucoup. Et vous n'avez pas la capture, on me dit, en régie. Mais tout va bien se passer. Car, tel un Ron Burgundy en pleine forme, je vais garder mon flegme, je vais garder mon calme, et je vais gérer cet incident d'une manière tout à fait magistrale et inattendue, comme seule l'improvisation le permet. Effectivement, j'étais encore sur Ghost Recon Wildlands, un stream que je vous recommande chaudement si vous ne l'avez pas encore vu, puisque on y a fait de la grosse performance avec la team tous à poil, faut avouer quand même. Hein. Alors, est-ce qu'on va me l'accorder cette fois-ci? Yes! Oh, wonderful! Sérieux, t'as ça sur la borne qui tourne à côté, comment tu peux résister à mettre des pièces dedans? C'est pas possible. Vous avez vu le teasing? Attention les yeux maintenant. Alors, on a un shooter vertical tout à fait classique hein, pour 96. Ceci dit, la finition est assez particulière puisque les sprites ont été bossés vachement en 3D apparemment. Et si vous regardez bien, le jeu se permet du coup des zooms et le décor est effectivement en 3D lui aussi. Mais le jeu garde quand même un côté vachement plat. Alors le résultat, c'est que graphiquement, ça envoie quoi, c'est rigolo. Et en plus, dans le jeu, vous allez voir que les programmeurs se servent de cette astuce d'utiliser les zooms et les dézooms, ce qui donne une certaine dynamique, ça surprend au début. Mais pas que. Je vais encore baisser un poil le son du jeu, parce que j'ai pas envie de hurler sur le stream. Walou. Est-ce qu'il nous fait une petite démo encore ou on y va? Alors, le tir. Et quand vous gardez appuyé, voilà, vous avez un dôme de lock qui apparaît et qui devient de plus en plus grand. Bah, plus longtemps vous appuyez, plus il grandit. Vous avez la méga bombe bah, usuelle. Et une méga bombe que vous pouvez plus ou moins télécommander. Bon, faut dire aussi, il y a un autre truc, il y a plusieurs vaisseaux, au démarrage. On va regarder ça ensemble, hein, ce sera plus simple. Donc vous voyez l'enthousiasme quand on met les sous et qu'on démarre le jeu, de grosses attentes. Mais. Donc, choix du vaisseau.
trois vaisseaux à choisir. Bon, on va prendre celui-là, hein. On va pas se compliquer la vie. Ça tease, ça tease, ça tease, et on y est enfin dans le feu de l'action, nous y voilà. Nous allons anéantir et complètement désintégrer l'intégralité de... Alors c'est pratique ce dôme, mais au début c'est un peu pénible à trouver comment on l'oriente. Hein. Donc du coup on hésite entre tirer et locker, parce que quand on lock, bien entendu on ne tire pas. Bande de canailles. Et du coup, bah c'est un poil tendu. J'ai raté une capsule de bonne musique, donc... Alors là, ça va faire rentrer en jeu un autre problème qui est assez énorme et qui est probablement celui qui fait que ce jeu n'a pas trouvé son audience. Ça va être... Là, ça se voit pas encore trop. C'est le premier niveau, c'est sympa. Vous allez voir la lisibilité comme ça va partir en sucette. Parce que du coup, le jeu est très fourni, il est très chargé. Il va jouer avec la profondeur de champ, de surcroît. Faut pas que je parle comme Pierre Bemard, c'est mal. Et du coup, ça va apporter surtout de la confusion dans la lecture. Et il y a des moments où je vais me jeter littéralement sur des boulettes, des obstacles, des ennemis, je ne sais pas. Parce que je vais pas réellement voir le détachement de ce qui est au premier plan, sur mon plan, et ce qui est sur un autre plan qui ne me concerne pas trop en fait. Ouh, je l'ai senti celui-là. Tu l'auras cherché, piéton. Mais tu veux pas mourir en plus. Allez, deux, ça fait l'affaire. Donc c'est là qu'on va commencer à voir vraiment le bordel de jouabilité. C'est sur sa lisibilité. Parce que c'est chargé, c'est fouillé. Regardez-moi, c'est grave. Moi je suis désolé, en 96 on rêvait tous d'avoir ça à l'écran quoi. C'est magnifique. C'est bourré d'idées. Du coup les patterns se renouvellent vu que on joue un peu avec la profondeur d'écran. Du coup là je ne sais pas ce que je donne vraiment, tu vois. Là je sais à peu près, mais bon. Et le bougre est vif. Comme je l'ai pris dans la yaourtière, comme on dit. Donc on a toujours ce dilemme de se servir du tir normal ou de locker ce qu'il y a au sol parce qu'on ne sait pas ce qui va les flinguer plus efficacement. Sachant que bien entendu, le lock est vachement plus puissant. Et du coup... C'est tendu quoi pour savoir la meilleure façon de passer où il faut deviner quasiment. On n'a pas trop le temps de piger. Alors l'autre truc que je vais critiquer... Oh non, c'est pas ça. C'est la hitbox du vaisseau. Vous allez voir qu'à certains moments, quand même, je vais me prendre des belles pralines, alors que... Il y avait moyen que ça passe, quand même. Et la couleur des bonus qui se mélange au tir, ça c'est super pénible. C'est un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire super beaucoup. Ça veut dire que je vais en baver. Et que je ne suis pas libre, donc.
À chacun son tour, oui. Mais ce jeu est magnifique, quoi. Alors, voilà les deux gros griefs qui le rendent pas terrible jouable. La hitbox, la lisibilité, et je vous garantis que cumuler, c'est un calvaire. Là, bah, c'est le niveau jusqu'auquel je suis allé hier, hein, quand je l'ai essayé, pour être très honnête. Scratch. C'est génial, quoi, ces histoires de zoom, tout ça, il y a plein d'idées. J'en démords pas. La lisibilité, la hitbox. Sérieux, remasterisez-nous ce titre et corrigez juste ça, vous allez voir, j'ai trop raison, quoi. C'est... Ce jeu, vous pouvez en faire un chef-d'œuvre, quoi. Dans l'état, le jeu est trop dur pour le commun des mortels. Je veux pas dire que je joue comme un dieu, mais je dois beaucoup me démener quand même. Et des fois, ça passe au pif parce que je vois vraiment pas, quoi. Je distingue pas ce qui est dessous, le tir qui passe au milieu, le décor. Je me mélange. Là, c'était pas le cas, mais c'est le gros goût de dommage que j'ai pour ce titre, quoi. Que j'aimerais vraiment adorer. Oui, c'est comme ça qu'on peut dire. Il y a des titres, on aimerait les aimer. Parce qu'il a tout pour lui, quoi, ce truc. Oula. Oula, c'est limite ça, monsieur. Non, c'est... Plus de lisibilité, les amis. Plus de lisibilité. Là, je vois rien. Il y a un vieux qui est dans un palais des glaces. C'est un reflet, ça, ou c'est une bitch, bronc. J'ai fait super bien le jeu, je sais. Là, je m'entraîne. Pour un avenir proche. Toi, t'as l'air super sympa. Ça va bien se passer, on va être amis. Hein? Allez. Chiche. Non, je ne bougerai pas. C'est bien faux quand même. Regardez-moi ça, les dézooms. Ah! Ah, comme c'est traître! Je vous préviens quand on fait ça, monsieur. Ouh là là, ça va mal se passer. Ça va super mal se passer comme ça. Allez, faut pas que j'oublie que les grosses boules oranges, c'est pas juste du décor, voilà, je me les prends. Et la microseconde d'insensibilité est peut-être un petit peu short, hein, les gars. Et oui, non, mais à chaque fois, je me mets dessous, je suis pas bon. Il y a intérêt à connaître sa stratégie, hein, celui-là, pour le démonter, parce que sinon, on joue comme un clown, là, comme je suis en train de faire. Et c'est pas terrible, terrible, hein. Oh, le fumier. Le fumier. Oh, putain. Mais il est terrible en plus, ses patterns sont géniaux. Les gars, refaites-nous ce jeu. Dites-moi que c'est un brouillon, quoi. Il y a tellement de bonnes idées dans ce truc, mais c'est incroyable. Moi, ça me fend le cœur de devoir rester sur à en dire que c'est pas un bon jeu, quoi. Parce que c'est pas vrai du tout, quoi. Ça peut être un bon jeu. Mais le problème, c'est le peu. Putain, la hitbox, elle fait 10 km de large.
Et là, j'ai un binôme qui me suit. Est-ce qu'il fait du massacre en même temps en dessous? J'ai même pas eu le temps d'observer. Voilà. Enfin, là, on était au même plan, il me semble. Donc, vu que j'ai crédit illimité, je vais avancer un max dans le jeu parce que je suis frustré, je suis dégoûté. J'aurais adoré pouvoir encenser ce titre. Stream de la frustration. Aujourd'hui dans The Big Game of Skill. Scratch. Dis donc, t'en bouffes des crédits, toi. Bah ouais, mais bon. C'est open bar. Oh putain. Non, mais on n'y voit rien, on n'y voit rien. Alors que je me mette à 20 km de l'écran pour y voir quelque chose. C'est pas possible. Jean-Philippe, tu vas me refaire cette lisibilité là. C'est vraiment le bordel. Alors en plus les sprites sont de bonne taille, ça doit jouer. Les bonus, tu peux jamais les rattraper, il y a tout le temps un tir qui vient juste après, pile dans sa trajectoire. C'est de la tristesse programmée. Calmez les nazes. Et j'ai pas la musique très forte, mais elle a l'air pas mal du tout. Ça passe. Le mec le plus zen du monde, c'est moi. Oui, tu n'as plus de bombe. C'est un fait, mon ami. Pas très gentil, ça. Oh la vache. Eh oui, Caillouman va m'agresser. Mais non, il était caché derrière le capu. Oh là là. Et même les designs sont sympas. Lui, il va faire du gros tir, lui. Oh, putain. Alors, il a prévenu, il est sympa. Mais je suis timide, moi. Laisse-moi réfléchir un peu. Let me think. Oula, non, les trucs orange, non, ça marche pas. Tranquille, les gars. Pouh, ce qui me met, vacherie. Oui, bah, au moins, on est sûr que tu m'as eu là. C'est rigolo parce qu'on rebondit contre les parties centrales du vaisseau quand on le bugne. Oui, bugner du terme. Je m'égare. Du terme, je m'égare. Bon, on prend un missile. Pourquoi tu as une jouabilité de cochon? Je fais trop bien. Tu me fais la mort là, c'est génial. Bouge pas comme ça. Je suis en train de passer une quantité de crédit assez inédite. Là, c'est 10 secondes de survie, une mort, 10 secondes de survie, une mort. Oui, j'ai fait 47%. On se demande avec quoi, parce que je crois que c'est surtout lui qui a tiré. Est-ce que je vous emmène jusqu'au bout? Ben, j'en sais rien, parce que j'ignore combien de tableaux il y a. J'irai bien au bout de celui-là, pour voir. Tendu, dit-on. Les caboules. Oh la vache. Ah, il est dru le pépère. Alors, il y a un autre truc possible, peut-être, pour arranger la lecture, ça serait de reculer la caméra par défaut un petit poil. Parce que là, on est vraiment prêt, quoi. Niveau anticipation, c'est peut-être ça qui n'aide pas. J'essaye de trouver des arguments.
Et je me serais battu pour ce titre. Mais oui, c'est peut-être le fait de ne pas pouvoir trop anticiper, du coup ça aide pas dans les flopés de boulettes, parce que monsieur est quand même assez sympa. Hein. Ça sortait d'où ça? Ça va bien se passer. Oui, bah... ouh, le bug graphique. Comment ça, c'est pas un bug, il est en pièce détachée. Oui, mais la visibilité encore, Charles-Édouard. On ne comprend rien, là, ce que tu veux faire. On va la faire comme ça, hein. On va la faire le mec qui comprend, mais je ne comprends rien, et j'y vais quand même. C'est pas très cohérent, là, les gars. Beaucoup, beaucoup de choses à revoir malgré tout dans ce titre pour le rendre accessible là, parce que c'est, c'est dommage quoi. Alors en fait l'autre vaisseau c'était mon reflet sur l'eau, oh, bah, bravo, bravo. Je veux pas savoir ce que c'est, je veux pas savoir ce que c'est, surtout pas. Sérieux, c'est cheaté là. Non mais non, tu ne fais pas ça, pas des invités. Alors je sais pas à combien de crédits j'en suis, mais sérieux, j'ai bouffé le PIB d'un pays là, c'est obligé. Et oui, il n'était pas venu tout seul le bougre. La lisibilité toujours, je n'ai pas vu ses boulettes. Et puis là, oula, il y a une belle accélération de tir. Non, 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 tu ne fais pas ça. Même si on est sur le dernier niveau, tu ne fais pas ça. Tu as perdu le sens de la jouabilité, mon pauvre ami. Faudrait que je regarde sur le YouTube s'il n'y a pas un super play de ça, parce que le gars doit envoyer du gros. On va avoir une très très bonne vision. Oh, ça venait d'où ça? Alors là, on commence à avoir un problème de vitesse, je crois. Parce que mon vaisseau, lui, n'a pas accéléré, mais en face, il s'en donne à cœur joie, les cochons. Et du coup, c'est un calvaire total. Là. Non. Non, 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 non. Tondu, 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 tondu.
On va aller jusqu'au bout parce que je suis très très curieux du coup de voir ce qui est réservé à la fin, parce que là c'est quand même, c'est pas très possible quoi comme mode de jeu, on va dire, si on compare à quelque chose d'humainement jouable. Je peux même pas ramasser les fucking bonus, c'est toujours sur la trajectoire d'une praline. Fais-moi voir ce dernier boss, on va dire, parce que je pense que... Oui, plus vite encore. Oui, mélange les couleurs, c'est plus sympa. Tiens, un cadeau. Hein, tant qu'à pas s'apprécier. Oui. Non. Non. C'était pas le boss. What the frag? Le fond, qui dit tout. Qui dit tu vas souffrir de l'éternelle souffrance de l'injuste. Alors, j'arrive pas à savoir si quand j'en aligne derrière, ça me les enlève pour... ça les empêche de monter plus haut. Power up, super! Oh, l'affichage, c'était déjà pas assez surchargé. Merci pour la lecture. J'y vois beaucoup mieux maintenant. Chouchou. De là à dire qu'il aurait cherché à me faire du mal. On n'en est pas très loin, en fait. Allez, hop, ça calme un peu tout le monde. Hop, je passe le stock de bombes. Ah bah oui, il fallait, parce que t'as vu ça. C'est un sacré grille-pain que vous avez, les gars, là. Faut absolument que je me débarrasse de ces tourelles avant qu'elles ne puissent tirer quoi que ce soit. Sinon, je vais passer un sale cabreur. Ouh là là. No more bombes. I'm in the mess. Un poil aller à la bourre, hein, je crois, mais c'est tout ce que ça méritait. Et les tirs derrière, sur les côtés, dans tous les sens, là où c'est que je passe, les amis, je ne sais pas, je ne sais plus, je n'ai plus dieu, ni maître, ni vaisseau, ni super bombe. Bref. Ah, moi j'ai repéré le point sensible, c'est une bonne chose. Hop, on s'en va. Non, on revient. Non, on s'en va. Et je sais pas. Des bonus, en ramasser, jamais, j'ai pas tant. Ça canarde dans tous les sens, ça canarde tout le temps. Je ne sais plus quoi faire pour pouvoir me sortir de cette situation qui est loin d'être idéale. Comment ça, je parle tout haché comme si j'étais paniqué? Pas du tout, vous me connaissez, je suis la zénitude incarnée. Hop, ça marchait bien, j'ai vu. Ça marche moins bien. Je vais quand même le refaire. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en transe, tout ça. Oui, d'un coup, je... L'esprit du gars qui a one CC ce jeu vient de se transmettre à moi et je suis possédé par lui. Et là, je vais faire un final de toute beauté. Comment ça? C'est pas crédible encore. Oh là là, vous êtes tatillon quand même, je trouve les amoches. Il y a eu un bel effort en tout cas. Respect the bel effort. Parce que ça canarde la vache! C'est le 14 juillet là. J'ai dû bomber un petit peu le bout du groin. Il rebondit dessus comme une merde à chaque fois, c'est rigolo ça. Tu es mort, je veux que tu sois mort. Je souhaite que tu sois mort de tout mon corps. Hop. Ah, tu n'es pas mort et tu fais des nouveaux trucs rigolos. Mais je t'aime toi. Non! Tu ne peux pas! C'était pas loin. Ça s'arrête jamais ça donc. Ok. Opération je bombe. Hein. Tel le lâche de base. Et c'est toujours pas fini. Fumier. Oui, bah, il fallait pas s'attendre à ce que le boss final soit quand même paisible. Quoi. Dites-moi qu'il n'y a plus de tableau. C'est dommage, ouais, qu'il y en ait encore. Quoi. Mais avec cette jouabilité là, c'est... Quoi? C'était le faux boss! On t'a bien eu! Ils m'ont bien eu là! Ça va être beaucoup plus facile maintenant, je pense!
Quoi? Comment? Hein? Pardon? Non, là, je ne savais plus où j'habitais du tout. Alors, on va calmer le jeu avec notre technique classique du Kun-Kun. Il s'est barré, le lâche. Non, il revient, il revient, il revient. On ne peut pas le cancel, rien. Tu as juste tes yeux pour pleurer, de grosses larmes très bouillantes. Absolument, je trouve un stream où quelqu'un fait un one cc de ça, je veux le voir. Dans l'état, ça me semble d'une probabilité très... très mince. Donc voilà, Watcher. Donc voilà, abonné. Tu connaîtras enfin ma grande douleur. Que ce jeu ne soit pas plus jouable. Parce que vraiment, il est chouette. Il a une réalisation comme on n'en voit pas souvent et... Ce manque d'accessibilité, bah, c'est ce qui a fait que aujourd'hui son nom n'évoque pas grand chose, pour pas grand monde. Oui, j'essuie mes larmes. Non, mais c'est parce qu'il m'a piqué les yeux, en fait. Voilà donc pour ce Sokyu Gurentai, que vous pourrez également trouver sous le nom de Terra... comment ? Terra Diver, voilà, c'est ça. C'est un rendez-vous raté avec un jeu qui aurait pu être culte, dont on pourrait aujourd'hui parler comme de Dodonpachi, quoi, si il avait eu une accessibilité un petit peu mieux foutue, donc je le répète, sur sa jouabilité... En particulier la lisibilité, un petit peu la taille de la hitbox aussi. Et puis c'était quoi l'autre argument que j'avais trouvé qui était quand même pas terrible. Ah oui, le fait qu'on soit en caméra peut-être trop rapproché. Et du coup, on peut pas vraiment anticiper les ennemis. Et ça fait quand même beaucoup d'infos, sachant qu'il y en a qu'on peut loquer qui viennent du fond du décor en plus. Oui, il y avait peut-être un peu plus de temps à passer sur la jouabilité. Enfin, ceci dit, moi je le valide totalement ce jeu. On va pas le mettre dans le top parce que ben voilà, il manque tous ces paramètres là. Mais j'insiste, hein, ce Q là, ça aurait pu être un chef-d'œuvre. Voilà, je vous laisse avec les playlists habituelles, c'est-à-dire la classique, et puis celle dédiée au shmup. Et puis je vous recommande de vous abonner. Ça vous évitera de courir pour rater le stream de 19h demain.